Moi, je suis là. Yo les gens, c'est Zarko, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 14e épisode de Zarko 79 vous parle 2. Et on est en compagnie d'un fils de pute, d'un petit loup et de Night Akumu, voilà. Bonsoir les gens. Le petit loup, c'est moi. Eh bien salut tout le monde. C'est moi, Dunkedor, le petit loup. Voilà. Si les autres peuvent dire bonjour cette fois-ci. Je parle de monsieur Backdoor et de Night Akumu. Et de Night Akumu qui dira encore bonjour, au revoir, comme c'est la deuxième prise. D'accord. Au revoir. D'accord. Bref, on va parler comme petit sujet de mon premier monde Minecraft pour ce 14e épisode. Notre premier monde Minecraft. Ouais. Excuse-moi, BG. Et c'est pour ça qu'on se retrouve directement sur un plongeoir avec T-Bod qui a une petite signification. Là-bas, vous avez d'ailleurs un plongeoir complètement raté. Hashtag Xenatix. Un grand T-Bod qui est le grand Hollywood de Minecraft. Et mon pseudo là-bas, ZRKOO79. Voilà. Donc, Edor, on va te laisser un peu parler comme tu as une petite idée. Qui était fait par qui, hein? Qui a été réalisé par Monsieur Blackbird. Merci. Donc, on va parler de notre premier monde de Minecraft. Merci. Donc, notre premier monde Minecraft. Alors, donc ça s'est passé le 18 décembre 2013, où on a appris que Minecraft était sur PlayStation 3 à ce temps-là. À ce temps-là. Là, il faut que tu le dises, on est sur PlayStation 4. Ouais, on est sur PS4. C'est, en fait, ça c'est mon monde de PS3 que j'ai transféré sur PS4. Mais voilà. Il était différent hier. Il était différent hier, pas vous mentir. C'est vrai. Mais bon, voilà, quand des choses ont fait que ça a dû changer, et voilà. Voilà. Ah oui, il y avait un champignon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, je reviens sur l'histoire. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, forcément, on s'est fait notre premier monde, on l'a acheté. Il y a eu 2-3 personnes au début. Il y a eu d'abord que Zarko et Zonatix, donc un autre 27. Puis le lendemain, monde, je suis arrivé. C'est mon monde, hein, ça. Faut quand même que je précise, ouais, que ça, c'est mon monde à moi. J'ai quand même fait vous faire moi, visiter. Puis moi, le lendemain, le 19, je suis arrivé. On a commencé à jouer. Et après a fait que il me semble après c'est qui est venu, c'est Mika, c'est non Monsieur Blackbird, c'était Audrey, c'était Arnaud, après c'était Arnaud, Adrien Arnaud. Pour vous reconstituer un petit peu l'histoire, Arnaud, les gens, hein, je vous présente. Attends, pour vous reconstituer un petit peu l'histoire, ça c'est la première maison du monde. Voilà, ça c'est ma maison actuelle d'ailleurs. Vous pouvez voir qu'il y a un peu de bordel, hein. C'est mon bordel, c'est une petite maison bordélique. En face là-bas, je vous la montre, la maison de Dunkedor, et là il y avait la maison de Anoa97, on vivait à 3 là-dedans. Et je me souviens encore de cette scène maintenant. La première fois qu'on a croisé un Enderman devant chez nous, qu'on n'osait pas sortir parce qu'on était encore des couillements, qu'on savait pas ce qu'il allait nous faire. Voilà, je suis un peu visité, donc ici je vais un peu vous montrer chez Dunkedor, hein. En attendant, tu peux continuer, vas-y. Ouais, donc voilà, donc on a fait le monde, on a commencé à apprendre aussi un petit peu, parce que moi faut savoir que forcément comme tout le monde j'étais un noob, je ne connaissais rien du tout. Donc je me suis instruit avec des vidéos de youtubeurs bien connus. Fanta et Bob. Ensuite, pour ne pas les citer. Voilà, Fanta et Bob. Ensuite, comme on a dit, Jérémy est venu avec nous sur le monde. Ah oui. Lui donc, aussi au début était un noob, Jérémy, hein, on va monter sa maison. Ouais, voilà, je savais même pas comment on faisait pour sprinter. Voilà. Pour vous dire, lui il jouait à 3ème personne, le type, je sais pas comment il faisait pour jouer à 3ème personne sur Minecraft. Heureusement. Après, voilà. C'est Dragimig qui est venu. Voilà, puis après, ouais, c'est notre petit français Dragimig que j'aime tant l'appeler Dradra. Dradra, toi et après, au fur et à mesure, c'est pas pour être chiant, enfin méchant, mais il y a eu beaucoup trop de personnes qui sont venues. Et ce qui fait qu'après on a délaissé ce monde et on a fait des autres mondes. Merde. Parce que il y avait trop de monde et ça n'allait pas. Faut dire ouais, ça n'allait ici, pas. C'est chez Dradra. Le problème c'est qu'il manque un. Bon, on s'est quand même bien amusé. Hein. Ça faut quand même dire, on s'est quand même bien amusé, on s'est quand même bien piché. Voilà. Donc ici et on est chez un enculé aussi. On est chez Dradra. Oui, mais ça on peut l'oublier. C'est là que maintenant j'ai réglé le problème. Voilà. Alors ici je vais vous présenter. La maison la plus étrange des temps de la vie. D'accord ? Je vous explique. Vous mettez un peu, comme tout à l'heure, donc Kador a dit, vous mettez Hyper, vous mettez Mr. B-Boy, vous mettez n'importe qui dedans. Dans cette maison, personne ne survit.
Donc ici j'enlevais les mobs parce que cette maison vous y allez, vous ne rentrez jamais. En fait ici il y a une cave, là-bas en fait la maison elle a explosé une première fois et il y a une cave. Mais quand vous êtes dans cette cave, vous êtes condamné à mort. Je vais même pas dedans parce que j'ai pas envie de perdre du temps encore à monter dans cette cave ni tout. Mais la dernière fois il y avait deux Enderman et tout à clic. Et d'ailleurs donc cette maison qui est la maison de Mika, il a décidé de faire une photo d'un prisonnier et ensuite l'a mis en guise de souvenir. Voilà. Ensuite vous avez la grande maison ici donc de Gao Destroy. Qui vient un petit peu plus tard dans le monde, voilà. Donc Gao Destroy qui est un fervent de la religion catholique, donc il a mis un poster de Jésus au-dessus de son lit, voilà. Pour avoir une bonne bénédiction, lui-même il sait, t'inquiète bro, on t'aime, voilà. Alors, c'est le même en plus. Voilà, Monsieur Blackbird est en train d'inonder la maison de Destroy, génial, hein. Hashtag gros enculé. Voilà. Alors ensuite, on va un petit peu visiter le monde. Ici donc ça, je sais pas ce que cette porte fait là, mais c'est la porte de Mika, d'accord. ensuite, je vais aller vous montrer le dôme, je pense qu'il faut encore être tout juste au niveau de la vidéo, donc on va se bouger un petit peu. Donc là-bas, il y a le dôme, donc dans ce dôme, il y a la table d'enchant. Merci Mathéo. Il y a la table... Allez, quoi casse-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Petite voix. Ah d'accord. Rien, bref, de il y a la table d'enchant, le portail du Never au-dessus, que vous entendez sûrement, et une salle des coffres en dessous, voilà. Je me dépêche parce qu'en fait on a déjà raté la vidéo une fois donc j'ai pas envie de la reperdre encore une deuxième fois. Alors là bah vous avez la petite, ce qu'on appelait à l'époque la mine de famille. À l'époque on appelait ça la mine des familles simplement. Non, c'était non, la grotte familiale, la grotte familiale, merci. Ça date, c'est, pas nous, c'est un an et demi qu'il est là. Créé par Donkey Dor où on ne pouvait pas miner, ah. Où on mettait des coffres. Voilà. Il y a la déco, c'est moi. Voilà. La, ouais. La femme qui a perdu ses règles, c'est la femme de Blackbird. Ouais. Ici vous avez des pourchots. Des vaches et des moutons. Marseille. Voilà. C'est pas Marseille. Alors ici, vous avez un petit restaurant-bar, donc où vous avez des coca à 19$. PS, on n'a plus de coca et t'as fait caca. Alors ici derrière, vous avez une table où vous pouvez réunir une convention scientifique pour déterminer la formule hydraulique de du chlorure d'hydrogène. Voilà. Quoi? Donc, HCL, merci. Et ici vous avez une table pour amoureux transi. Quoi? Voilà. Transi. Donc, le transit intestinal. C'était la WWE, quoi? Maladie intestinale of the week. Bref, on va continuer de visiter. Donc ça, c'est deux structures de pierre. Ce sont des douches, des douches, des douches. Dégueulasse. Alors des ici, vous avez un hôtel avec des chambres. Alors, je vous explique, c'est quoi là-dedans en fait, hein? Ah, une table d'enchant, d'accord. Dans les chambres, vous avez la chambre VIP. La chambre de star, donc la chambre de star, vous avez pour le prix une pute et de la coke, mais il n'y a pas de, il n'y a que dalle. Ça, c'est de la chambre ici. La chambre nuptiale, donc juste quoi, juste deux lits. Et la chambre pour un, juste un petit lit, voilà. Évidemment, je vous conseille de prendre la chambre VIP parce qu'au moins vous pouvez lire. La seule chose qu'on peut faire dans Minecraft, mais il n'y a pas de lit. Voilà. Alors, ensuite, on va aller voir la petite cabane suicidaire des familles. Voilà, la cabane suicidaire des familles où il y a le grand CDR KO 79 qui est mis là-bas haut. Où, c'est loin, monter, c'est ouf. Quand vous allez là, il fait écrit, tu veux mourir, alors saute, je ne le ferai pas. Voilà, comme j'ai du stuff et tout à clic. Je tiens quand même à préciser que tout ce qui est... Ça fait deux fois qu'on fait la vidéo, deux fois qu'il fait. Je tiens quand même à préciser ouais, que... Oui, j'y arrive plus maintenant. Je tiens quand même à préciser que tout ce qui est ici est en mode créatif. Voilà, j'ai failli vous montrer, oublié de vous montrer la salle en enclume avec les toilettes à côté, voilà. La salle en enclume, voilà. Alors, on va aller visiter une deuxième partie du monde. Alors, dans cette deuxième partie du monde, en fait, il est carrément... Il vit en hibernation, quoi. Il vit en hibernation de nous. Il s'agit de Zonatix, donc il y a une petite guéguerre pour du blé, voilà. Rien de méchant. Pour du blé. Donc, Non, pas pour du blé, pour des pains. Pour des et pains, aussi voilà. Parce qu'on faisait ses chiens en place. Ah, c'est vrai. Donc, il vit en hibernation de nous. Et il nous avait d'ailleurs mis des messages très inquiétants, comme quoi on ne pouvait pas s'approcher sinon vous étiez mort. Je vous le dis direct. Donc, je vais vous lire ces messages et les citer comme il nous avait cité à l'époque. Donc, barre interdit aux putes. Voilà, ça c'est le premier message. Alors, les trois autres messages sont très inquiétants. Si je bouge pas, ça veut dire que je suis pas là. Ça c'est le premier. Le deuxième c'est maison d'anneau. Préviens si tu viens, sinon t'es mort. Et alors là, le troisième message est très inquiétant. Je t'ai prévenu. Voilà. Et il y a même pas de coffre, il y a que dalle. Voilà.
Alors ensuite là-bas vous pouvez voir le grand Thibaut des familles. D'ailleurs là-bas ce que vous voyez derrière, cette espèce de d'angle droit quoi à 90 degrés qui culmine au point le plus extrême de la map à 12h est tout simplement un plongeoir fail avec une piscine avec du courant, voilà, donc un étang où vous pouvez pêcher du pichon. Voilà. Et il nous reste deux petits trucs à visiter. Je suis même pas capable de monter une montagne intelligemment. Donc là-bas, c'est la montagne de la montagne, la maison de Mathéo, qui est en train de faire, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Un truc très bizarre un encore au-dessus de sa maison. Un aquarium, si tu veux. La ah ouais, salle vite, de l'Ender pour monsieur Donkedol, qui a créé une salle pour le dragon de l'Ender. Donc si j'enlevais les monstres, je vous le dis tout simplement pour pas être ennuyé. Donc ici la maison de Mathéo et le dernier truc, hein, donc on va repasser devant la maison du fervent catholique. Nous n'avons plus de chariot je crois, ma foi. Donc non, on n'a plus de chariot et on va vite en créer un pour aller faire le petit trophée à 500 rails. Je pense à lui là, le pauvre. Les chariots il faut quoi? Ah, du fer pour les fer. Ah. Attends, je vais prendre du fer, j'ai du fer dans mon coffre. Vas-y, on va vite te faire un petit tour de chariot, voilà. Donc on va un peu vous montrer les panneaux. Le TGV ne mange pas avant d'y aller. J'ai failli oublier, excuse-moi Antonin. Je sais bien que tu t'en fous de ce que je fais, mais regarde quand même. Le big up à toi est là. Donc, le pont de Didier. Alors, c'est un pont en hommage à un hamster. Nous, on est comme ça. On fait hommage aux hamsters ici. On vous pisse dessus, voilà. Littéralement. Et on va prendre le petit tour à 500 cubes pour le trophée. Qui est encore un chariot. Ah non, c'est un mouton. D'accord, ça va. Le petit trophée de 500 cubes. Voilà, vous pouvez dire au revoir en attendant parce que je crois qu'on a fait le tour complet du monde. Hein. Voilà. Ah bah non, je vous dis bonne vidéo. Ça peut finir. Ah, et voilà, un chariot qui me bloque. Un chariot qui me kéblo. Eh bien, moi je vous dis à la prochaine. Ah, c'est bon. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce. Bleu, c'est le bleu de à l'heure vous actuelle. Abonner à sa chaîne. Pardon. De donc on continue de visiter un petit peu ici les gens. Ah, de t'abonner à sa chaîne. Allez, salut. Tu me laisses parler. Donc monsieur Blackbird va nous laisser, va dire au revoir. Il a déjà dit au revoir monsieur Blackbird. Il a déjà dit au revoir. Hein. Bah ouais. Merci monsieur Blackbird, voilà. Naita Kumu il est mort d'un cancer. Paix à son âme. Et je suis là, voilà. Ah bah dis au revoir, non. Tu dis bonjour, tu dis même pas bonjour, tu dis pas au revoir. Que ça j'ai voir. Dit bonjour. C'est méchant en plus. En plus, en plus maintenant, tu me fais dire des trucs racistes maintenant. C'est de ta faute. Bref. Moi toi. Jamais. Je ne suis pas raciste, mon ami. Bref. Je ne sais plus ce que je vais dire. Bref. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, commenter, partager, vous abonner, me donner vos avis sur ce monde et peut-être me dire comment s'est passé votre premier monde Minecraft. Nous, bah, ça s'est plutôt bien passé. Il y a une bonne entente et peut-être quelques disputes des fois. Plus personne n'a quelque chose à rajouter. Les poneys, c'est la vie. Les poneys, c'est la vie, peut-être. Ça faisait bien 3 mois que j'ai joué avec Nico. Même que moi, je suis une ficelle. D'accord. Allez voir la chaîne des poteaux, ça leur fera toujours. Ouais, aussi. Allez voir la chaîne des poteaux, ça leur fera toujours plaisir. La mienne aussi. C'était Zarko. Bah oui, la chaîne des poteaux, tu en fais partie. Mais pas la mienne, parce que j'en ai pas. Ah bon ? C'était Zarko. Mais Audrey, il a dit la chaîne des poteaux, pas la chaîne des poteaux. À la prochaine. J'espère que ce monde vous a plu. On va se quitter sur ce grand ZDR KO 79 là-bas. Je vous dis à la prochaine. Bye 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 bye